Malamute de l'Alaska possède une santé de fer. Le Malamute de l'Alaska supporte les conditions hivernales à merveille mais a plus de mal avec les grosses chaleurs. Son entretien est minime et l'éduquer se révèle assez aisé. De plus, ce canidé est un adorable compagnon de vie. Il plaira à toutes les familles car il n'est jamais agressif et adore la compagnie des enfants. Le Malamute de l'Alaska est typiquement un chien de traîneau arctique. Le Malamute de l'Alaska est l'une des races de chiens de traîneau nordiques les plus anciennes. Il trouve son origine dans le nord-ouest de l'Alaska, région de Kotzebue, où la tribu des Malamutes l'élevait pour ses qualités de chien de traîneau et de chasse. C'est d'ailleurs cette tribu qui lui a donné son nom. Le Malamute de l'Alaska est l'une des races de chiens de traîneau nordiques les plus anciennes. Il trouve son origine dans le nord-ouest de l'Alaska, région de Kotzebue, où la tribu des Malamutes l'élevait pour ses qualités de chien de traîneau et de chasse. C'est d'ailleurs cette tribu qui lui a donné son nom. La grande dignité qui le caractérise ne l'empêche pas de se montrer extrêmement joueur lorsqu'on l'incite. Si sa fonction principale est celle de chien de traîneau, travail pour lequel il montre de remarquables aptitudes, le Malamute de l'Alaska n'en est pas moins un très bon animal de compagnie. Il n'aime pas la solitude. Le Malamute de l'Alaska a besoin d'une éducation ferme dès son plus jeune âge. Il n'est pas non plus question de rechercher le rapport de force. Intelligent, actif et dévoué. Ce chien aime apprendre tant qu'on respecte son rythme et qu'on ne le noie pas sous les instructions. Il n'est pas forcément conseillé comme premier chien, car peu docile comme beaucoup de chiens nordiques. Il aime tenir tête à son propriétaire pour le tester. Ce dernier devra entreprendre une éducation ferme, stricte mais aussi douce dès son plus jeune âge afin d'espérer les meilleurs résultats possibles. Le Malamute de l'Alaska s'acclimate aux conditions météo les plus rudes. Il préfère largement la vie à l'extérieur, dans une maison avec un grand jardin clôturé, sans quoi son tempérament pourrait le mener à fuguer. La vie en appartement lui sied beaucoup moins, où il pourrait rapidement s'ennuyer. Il a besoin d'espace et de liberté. Le Malamute de l'Alaska possède une santé de fer. Il n'est sujet qu'à la dysplasie de la hanche du fait de sa grande taille. Ainsi, l'exercice physique doit être modéré dans ses premiers mois de vie. De plus, le Malamute de l'Alaska ne supporte pas trop les grosses chaleurs. Il est indispensable de le mettre à l'ombre lors de la période estivale. Aucune pathologie héréditaire n'est à souligner. Le Malamute de l'Alaska connaît deux mues par an assez conséquentes, principalement à l'automne et au printemps. Hormis ces périodes, son entretien est des plus aisés, puisqu'il a la réputation d'un chien naturellement très propre. Il est recommandé de brosser le chien deux fois par semaine. Durant la mue, le brossage devient plus fréquent pour éliminer les poils morts. Le Malamute de l'Alaska n'a pas besoin d'être lavé. Si des bains s'imposent, il ne faut pas en faire plus de deux par an pour ne pas altérer la protection fournie par sa robe et sa peau. On évitera également de lui couper les poils, sauf éventuellement ceux des membres si nécessaire.
Brosser les dents du malamute permet d'éliminer l'accumulation de tartre et la prolifération de bactéries. S'il ne suce pas naturellement, ses ongles sont à couper régulièrement. Si vous êtes novice en la matière, il est recommandé de demander des conseils à un vétérinaire. Enfin, les yeux et les oreilles sont à vérifier chaque semaine pour s'assurer qu'il n'y ait pas de traces de saleté ou d'une quelconque infection. Les oreilles sont à nettoyer avec du coton imbibé de produits auriculaires au pH neutre. Ce chien se nourrit essentiellement de nourriture humaine. Ses rations se composent donc de viande crue, de féculents comme des pâtes et du riz ainsi que de légumes frais. Son alimentation doit être adaptée à sa dépense énergétique quotidienne. Ne pas hésiter à se tourner vers un vétérinaire pour un régime alimentaire adapté à sa morphologie et à ses activités physiques. Le malamute de l'Alaska étant un chien de traîneau, il a besoin de rester actif au quotidien. À ce titre, il lui faut au moins 2 longues promenades par jour. Toutes les activités pouvant faire intervenir sa formidable endurance et sa grande coordination sont les bienvenues. Pendant que vous vous toilettez, recherchez des plaies, des éruptions cutanées ou des signes d'infection tels que des rougeurs, une sensibilité ou une inflammation de la peau, du nez, de la bouche, des yeux et des pieds. Les yeux doivent être clairs, sans rougeur ni écoulement. Votre examen hebdomadaire minutieux vous aidera à détecter rapidement les problèmes de santé potentiels. Les malamutes sont patients avec les enfants et aiment l'attention qu'ils reçoivent d'eux, mais les chiots malamutes d'Alaska à croissance rapide et énergique peuvent facilement maîtriser un jeune enfant de moins de 5 ans. Dans leur exubérance, ils peuvent renverser un enfant. Apprenez toujours aux enfants comment approcher et toucher les chiens, et surveillez toujours toutes les interactions entre les chiens et les jeunes enfants pour éviter toute morsure ou traction d'oreille ou de queue de la part de l'une ou l'autre des parties. Apprenez à votre enfant à ne jamais s'approcher d'un chien pendant qu'il dort ou mange ou à essayer de lui enlever sa nourriture. Aucun chien ne doit jamais être laissé sans surveillance avec un enfant. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.